Avengers Endgame, le plan secret de Thanos spoilé par le synopsis. Alors qu'on a cru les frères Russo quand ils ont affirmé que Thanos avait pris sa retraite dans une ferme à l'autre bout de la galaxie, l'arrivée en force de Captain Marvel a été teasée par Samuel L. Jackson et un nouveau synopsis. Sauf que ce fameux synopsis dévoilé par le site MiVu.com vient comme par hasard d'être modifié. Et c'est une phrase qui prend une toute autre tournure maintenant qu'on sait qu'elle n'aurait jamais dû arriver à nos oreilles. Après que le pouvoir des pierres de l'infini ait décimé la moitié de la population, Thanos, Josh Brolin, a repris le flambeau en tant que dirigeant de l'univers, laissant les Avengers en plein désespoir. Le demi-dieu ne fera qu'élargir son règne tyrannique, à moins que quelqu'un ne réussisse à l'arrêter. Cette partie a été presque entièrement coupée, ne laissant que Thanos, Josh Brolin, a laissé les Avengers en plein désespoir. L'un des employés a-t-il dévoilé ce morceau d'intrigue sans le faire exprès? Possible. Parce que si on comprend bien, plutôt que de se couler une retraite tranquille sous les cocotiers, Thanos a préféré diriger l'univers d'une main de fer. Dans un gant pas vraiment brodé de velours. On parle ici d'une dictature pure et simple, probablement sous la menace d'un nouveau snap si tout ne file pas aussi droit que prévu. Si ce synopsis, rappelons le non confirmé, est véridique, ce plan entrerait un peu en contradiction avec les convictions du Titan, qui ne souhaite que rétablir l'équilibre dans l'univers. Il ne semblait pas avoir pour désir de régner sur tous les êtres vivants existants, mais peut-être les réalisateurs nous ont-ils trompés sur ses véritables intentions. Quoi qu'il en soit, voilà qui va représenter un tout nouveau challenge pour les Avengers survivants. Heureusement que Captain Marvel va arriver dans Endgame pour faire un peu de ménage dans cette nouvelle ère post-snap.